Mais d'abord donc, retour à Nice. Que sont devenues les victimes que nous avions croisées le soir du 14 juillet, cible de Mohamed Lawayesh Boulel ou proches endeuillés? Comment affronter le quotidien après un tel drame? Nous avons rencontré Ali Charihi, le fils de Fatima Charihi, la première victime de l'attentat de Nice. Greg, un Américain toujours à l'hôpital, et Carolina qui tente de reprendre goût à la vie. L'hôpital Pasteur nous a également ouvert ses portes. Nous y avons rencontré des personnels soignants passionnés mais profondément marqués par ce qui s'est joué ce soir de 14 juillet, cette effroyable nuit pendant laquelle la promenade des Anglais s'est transformée en immense morgue. Nice, ville meurtrie, c'est un reportage de Sophie Acarias et Frédéric Serrulli. Du terrible drame, il ne reste aujourd'hui de visible que des milliers de témoignages. Chaque jour, des visiteurs se recueillent au kiosque à musique, devenu un lieu de mémoire. Ça me monte les larmes, ça me fait vraiment quelque chose parce que c'est ma ville. Et vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a touchée et je voulais rendre hommage à tous ceux qui sont morts. On aurait dit vraiment un film d'horreur. Et voilà, et pourtant je ne connais personne qui ait été victime, mais ça me touche énormément. Je ne peux pas en dire plus, c'est difficile de parler. Je préfère aller retourner prier un petit peu. C'est émouvant en fait de voir tout ce monde qui se rassemble et tous les étrangers qui viennent voir les hommages qu'ont fait les Français et les étrangers, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup pendant l'été. Voilà. C'est touchant, oui, c'est sûr, c'est touchant. C'est surtout les plus chauds. Il y a beaucoup de peluches d'enfants. On s'imagine que c'est juste là et où on se promène tous les jours, ce ne sera plus jamais comme avant, quoi. C'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Comment c'est possible? Les gens, ils sont sortis. Il y a des cadavres de partout, jusqu'à là-bas. C'est horrible. Le 14 juillet, à 22h40, sur la promenade des Anglais, le terroriste, au volant de son camion, fauche la foule. L'attentat fait 434 blessés et 86 morts. Les galets, l'emblème de cette promenade des Anglais. Au kiosque à musique, les noms de ces 86 victimes sont inscrits sur ces pierres. Et parmi elles, Fatima Charihi. C'est la première à être tombée sous les roues du 19 tonnes. Une musulmane, mère de 7 enfants. Ali et l'un de ses fils. La promenade des anges qui est vraiment l'association. Parti chercher la voiture avec son père, il ne reverra jamais sa mère vivante. Il y avait le camion qui est passé devant. Quand le camion il est passé, mon père il a vu que le camion il était en train d'écraser les gens. Et donc il a mis le frein à main, il a pensé direct à ma mère. Et il était avec Adam. Et Adam, il a vu le camion avec lui en train d'écraser les gens, tout ça. Et il ne voulait pas sortir de la voiture d'ailleurs. Et mon père, il a sorti de force pour l'emmener. C'est pas humain ce qui s'est passé, je pense. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu déjà un mort devant moi. Et alors imagine-toi de passer de zéro mort à avoir une horreur comme ça. C'est dur. À quelques kilomètres de Nice, dans ce centre de rééducation, Carolina Mondino se remet doucement. Ah non, mais hier, j'ai mis la... Un peu de montée. Hein. Oh, un peu de montée. J'arrivais à 3. Elle aussi a été blessée. Traumatisme crânien, pieds et mains cassés. Sa meilleure amie est décédée. C'est pas clair dans ma tête. Il y avait un bruit très étrange, très, très confus. C'était quand j'étais percutée par les camions et déjà il y avait derrière moi beaucoup de gens qui avaient été percutés. Depuis 2 mois, cette Argentine installée à Nice tente de réapprendre à vivre, malgré la douleur physique et morale.
Les moments les plus difficiles que j'ai vécu, que c'était plus que mon corps, c'était la perte de mon ami. Eric Criscuello, chef de mission bénévole à la protection civile, est arrivé quelques dizaines de minutes après l'attentat. Ce soir-là, il doit prendre en charge ce que l'on appelle les impliqués, les personnes choquées mais non blessées. Elles sont des milliers. Quand on arrive sur cet espace-là, c'est vrai que c'est une scène un petit peu d'horreur. C'est une scène qui est difficile parce que vous avez une mission qui vous est confiée. Vous ne pouvez pas vous arrêter auprès de toutes les personnes. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Il n'y avait plus beaucoup de bruit. Il y avait quand même des gens qui criaient, des gens qui avaient mal, des gens qui avaient encore peur, des gens qui ne savaient pas trop où aller, des gens qui posaient des questions sur où sont des amis, des proches, de la famille. Et effectivement, sur ces moments-là, il est difficile de pouvoir répondre à toutes ces personnes. Donc, tout le monde a essayé de faire tout ce qui était dans la mesure du possible, justement, pour les orienter, les aiguiller. Le SAMU, bonjour. Ça peut être une heure et demie. Oui. À l'autre bout de la ville, le centre d'appel du SAMU est assailli au téléphone. Je les envoie de suite. Hein. D'accord, je t'en prie. Aux premiers appels, on partait vraiment sur un accident de la voie publique. Sur la promenade des Anglais, un accident d'emblée qui semblait très grave, hein, avec de multi-victimes. Mais ça partait vraiment sur un accident de voie publique. Et donc, au fil des appels, on s'est très vite aperçu que c'était un accident, c'était plus qu'un accident. Et très vite, le mot attentat est ressorti. Aux urgences de l'hôpital Pasteur 2, l'ambiance est lourde. On sait déjà que quelque chose d'insoutenable s'est passé. Les nombreux blessés arrivent par flot dans les hôpitaux, à Lanval, Sainte-Marie et bien sûr ici, Pasteur 2. Le plan blanc est activé. À l'hôpital, on a été pendant au moins deux, trois heures, dans l'incertitude de ce qui se passait. On nous parlait de fusillades dans toute la ville, à Antibes, à Cannes, enfin, il y avait des rumeurs qui circulaient, vous savez, dans ces cas-là. Même la police, quoi, était en difficulté par rapport à ça. Et donc en fait, on ne savait pas du tout combien de patients allaient arriver. On se doutait qu'on aurait beaucoup de blessés, et on pensait qu'on en aurait même encore plus. Quand on nous a parlé du nombre de morts qui semblait abominable, et qui effectivement était abominable, quand on faisait le ratio entre les décédés et les blessés, qui est habituellement plutôt proche de 1 sur 10, là, ce qui caractérise cet événement, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de décès par rapport au nombre de blessés. L'image, c'est d'arriver et de voir tout le monde à son poste, comme ça, chacun sachant ce qu'il allait faire. Donc il faut être rodé pour ça, il faut être rodé pour ce type de pathologie. Pas d'hésitation et beaucoup de solidarité et d'entraide. Voilà, donc c'est une espèce d'effervescence, mais avec une efficacité extrêmement importante. En réanimation, 20 urgences absolues sont traitées et 400 patients arrivent à l'hôpital durant la nuit. Bonjour Jacques. Ce n'était pas des égratignures, c'était des fractures qui pouvaient être multiples chez la même personne. On était vraiment dans le cas du polytraumatisé, mais avec cette ambiance un petit peu particulière, parce que c'était au cours du feu d'artifice, c'était des gens qui étaient venus là pour passer la soirée en famille. Et c'est sûr que ça avait un contexte très très particulier et ça a été une nuit extrêmement tragique. On a été choqués évidemment par le nombre d'enfants. C'est un peu ce qui caractérise l'attentat de Nice, hein, par rapport à Sud Paris, où il y a eu des enfants qui ont été touchés. Même si nous, on n'a pas été impactés directement, parce qu'ils ont été à Lanval. On a juste eu un enfant qui arrivait mort chez nous, malheureusement, avec ses parents. Donc ça, c'était aussi des images qui ont été un peu choquantes. On n'a pas trop l'habitude, dans les hôpitaux adultes, de voir des décès d'enfants. Il y a toujours beaucoup de grosses charges émotives, comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon, c'est passé avec le reste. Il y avait tellement de monde, on avait tellement de choses à faire que voilà, on n'avait pas le temps de penser. On n'avait pas le droit de penser. Enfin, on n'avait pas le droit, si. Bien sûr qu'on pensait, mais on était plus, encore une fois, dans comment faire pour être le plus efficace possible, pour sauver le maximum de gens. Voilà. Sur la promenade, Ali rejoint le corps de sa mère. Avec ses proches et ses amis de la Fédération des musulmans du Sud, il veille Fatima toute la nuit. Cette nuit-là, elle était glaciale. Pourtant, en plus, on vivait en période de canicule. Hein. C'était une période de canicule. Et c'était la première nuit où je voyais qu'il faisait froid. Cette nuit-là, il faisait froid, il y avait un vent.
des orages, de la pluie même. Il y avait même des petites fines pluies. C'était hallucinant, quoi. C'est un signe pour moi, après. Dieu seul sait c'est quoi ce signe. Ceux qui ne sont pas morts cette nuit-là ont des blessures complexes. Le professeur Boileau, chirurgien de renommée mondiale, est présent ce 14 juillet. Ses équipes et lui vont opérer en continu. Là, c'était des blessures donc de grosses traumatologies routières, puisque c'est un camion de 19 tonnes, hein, vous le savez, qui a fauché tous ces gens. Et donc c'était des fractures, des arrachements de membres, des fractures du bassin, des fractures du rachis, des fractures, des traumatismes thoraco-abdominaux ou crâniens. Donc avec, vous le savez, beaucoup de patients qui sont morts d'emblée. Quoi. Parmi les blessés graves traités par le professeur Boileau, un Américain, Greg. Le 14 juillet, avec sa femme et sa fille, ils profitent de leurs vacances en France lorsqu'ils sont percutés par le camion. L'état de Greg est alors jugé très sérieux. Ma fille s'est cassée la cheville, mais maintenant, tout le monde va mieux. Ma femme et ma fille vont bien et je suis le dernier à être sur un lit d'hôpital. Ce monsieur donc est là depuis le 14 juillet, depuis le soir des attentats en fait. Et donc là, il est en train de guérir. Can you flex your knee? Yeah. He has good flexion of the knee. He has a good flexion of the ankle. Il a une bonne mobilité du genou et de la cheville. Il avait la jambe dans un tel état au départ. Elle était à moitié broyée. Donc en fait, c'est des blessés qui ont été opérés plusieurs fois, hein, entre 5, 10 ou plus depuis l'attentat. Là, ça va, mais les 24 premières heures, j'ai eu peur de mourir. Maintenant, tout est différent. Je pense qu'un jour prochain, je serai de nouveau capable d'utiliser ma jambe comme avant. Je suis une personne très positive et qui espère le mieux. Mais on a fait un long chemin. C'est bien. Mais pour cet Américain, être hospitalisé en France a été une aventure effrayante, tout au moins au début. J'étais un peu effrayé. Quoi ? Un hôpital français ? J'ai l'habitude d'être soigné à Los Angeles. Mais là, j'avais entendu parler du système de soins en France par ma femme, mais je ne l'avais jamais expérimenté moi-même. J'étais tout de même un peu anxieux. Mais maintenant que j'ai pris conscience de l'attention qu'on m'a accordée, de la qualité de l'équipe chirurgicale, 10 personnes pour prendre soin de moi, j'ai vraiment été bien pris en charge. Et je vois le résultat. Il est juste fantastique. Dans quelques jours, Greg va repartir à Los Angeles et reprendre doucement le cours de sa vie. Sur ses deux jambes. De son côté, Carolina est une excellente élève. Elle fait chaque jour de nouveaux progrès. C'est bien, t'as bien évolué là-dessus. Ah, merci. C'est la première fois que j'ai marché sans appui. Aujourd'hui, elle est même en chemin vers l'indépendance. Bravo. Très bien. Super. Bravo, bravo. Allez, c'est bien, c'est bien. Vous voyez qu'on y arrive. Enfin, c'est vous qui arrivez, c'est pas moi. Hein. Merci. Allez, Caro. Mais certaines blessures ne se voient pas. La perte d'un être cher, bien sûr, mais aussi des images qui reviennent comme ineffaçables. Moi, l'image la plus marquante que j'oublierai, c'est le père qui tenait son fils. Qui tenait son fils avec un coup, il n'y avait plus de coup en fait. Le coup, il était aplati avec la cage thoracique. Ça, cette image-là me reste encore et j'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas. Avoir vu au moins le psychiatre ou le psychologue ici en consultation. Le professeur Benoît, responsable du pôle psychiatrique,
connaît bien ses troubles post-traumatiques. De leur ITT psychologique. D'accord. 50 appels, une trentaine. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, ses équipes et lui ont beaucoup écouté. Et aujourd'hui, il continue car le cercle des personnes traumatisées s'élargit. Il y a des personnes qui ont déjà été vues sur des postes d'urgence médico-psychologique, qui ont déjà eu un premier contact, mais une proportion importante de personnes vient pour un premier rendez-vous. Oui, un premier rendez-vous formalisé encore maintenant. On est à plusieurs semaines après l'événement. Et les personnes n'ont pas eu de véritable consultation spécialisée auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue compétent en psychotraumatologie. Et ils ont besoin de ce premier rendez-vous pour définir quel va être le planning de soins qui va être le plus adapté à leur état. Vous n'avez pas peur d'y aller maintenant ? Moi, je ne m'anime pas de toute manière. Pour les Niçois, la promenade des Anglais n'est plus que le lieu de l'horreur. Beaucoup l'évitent et en ont même peur. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, mais il faut la chercher. Il ne faut pas se tromper de tunnel. Il ne faut pas rester assis à attendre que la lumière revienne. Il faut aider les personnes à remarcher vers un sens qui est le leur, d'accord, vers la lumière, vers la sortie de crise. Et beaucoup de personnes, une majorité de personnes qui ont été déjà prises en charge, commencent à être dans cette direction. On commence à avoir des résultats extrêmement encourageants, heureusement. Les 8000 salariés de l'hôpital, soignants ou non, ont eux aussi été beaucoup éprouvés durant cet attentat. Gestion de situation critique, surcroît de travail, stress. Ce matin-là, la directrice des ressources humaines s'entretient avec le professeur Benoît. Une discussion importante sur le suivi de l'état psychologique des salariés. Nous, on essaie d'être extrêmement réactifs sur les demandes de changement d'affectation. On a des professionnels qui sont incapables de reprendre dans le service où ils étaient la nuit où ça s'est produit. Ah oui. Voilà. Donc, il y en a peu. On voit bien qu'il y a, ouais. Les lieux où ils travaillaient ont encore une portée traumatique. Ouais, tout à fait. C'est ça. Depuis le 15 juillet, un numéro d'écoute a été mis en place pour répondre aux salariés traumatisés. Un dispositif d'exception qui a bien fonctionné. Il y a eu très peu d'arrêts. Hein. À l'échelle du CHU, on comptabilise 19 arrêts en lien avec les événements. C'est très très peu hein, sur 8000 agents. Mais par contre, il faut que ça perdure absolument dans le temps. Ça, c'est très très important. On peut avoir tendance à minimiser sa propre souffrance. Non. Nous, l'important, c'est que l'ensemble des professionnels et le plus de citoyens possible retrouvent leur fonctionnalité normale et même meilleure. Parce qu'avoir fait face à quelque chose d'extraordinaire et de très douloureux et l'avoir surmonté, ben, c'est aussi par des mécanismes de résilience, d'accord ? C'est aussi la possibilité d'être encore plus fort, d'accord ? Et d'être mieux préparé à des difficultés qui pourraient survenir dans le lendemain. En cours pour enfants, donc il y aura les cours d'arabe, le soutien scolaire. Traumatisé également, la communauté musulmane. Mustapha Mahmoud est le président de la Fédération des musulmans du Sud, une petite association au cœur du quartier Pasteur. Le 14 juillet, lui aussi était sur la promenade des Anglais. Le matin du 15 juillet, la prom qui s'est levée, donc sous le soleil, avec tous les corps sur la prom. On avait l'impression d'être sur un champ de bataille, sur un champ de guerre. Fatima Charihi était l'une des bénévoles particulièrement actives de cette association. Cet été, la communauté maghrébine niçoise a beaucoup pleuré. 22 morts parmi les victimes de l'attentat. Alors se voir pointer du doigt, c'est souvent douloureux. On est victime et après ensuite on doit se défendre. On doit se défendre pour justifier, voilà, on doit se justifier. Bon, non, on n'est pas là à se justifier, c'est tellement logique parce que la personne avait des origines maghrébines. On fait le raccourci directement avec l'islam, avec les musulmans, bon, Daesh avec l'islam, avec les musulmans qui vivent en France. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, voilà. Et forcément, donc du coup, on le vit très mal. On le vit très très mal en fait. Ben, c'est clair que ça salit toute la communauté musulmane en fait. Ou en tout cas, d'un point de vue extérieur à la communauté musulmane. Et du coup, ben, c'est clair que ça va avoir comme conséquence d'être pointé par des personnes qui sont à l'extérieur de la communauté musulmane comme étant d'une certaine manière complices de cet acte. Pour la Fédération des musulmans du Sud, il faut sécher ses larmes et avancer. Ensemble.
On dit à Nice qu'on l'aime, donc c'est notre ville. On vit ici, nos enfants sont nés ici, vont grandir ici, vont à l'école. Le vivre ensemble l'emportera, Inch'Allah. Avec cet attentat, la ville entière peine à se relever. Pas un quartier épargné. Toutes les catégories de la population sont touchées. Au journal Ressources, un magazine trimestriel sur l'environnement, un des collaborateurs a perdu sa fille. Le numéro du mois de septembre comprend un épais dossier sur l'après-attentat. On va envoyer à l'imprimeur à la couve. C'est là où à chaque fois on peut avoir une coquille, alors qu'on croit avoir tout lu. À l'intérieur du magazine, aucun témoignage de victime, mais des pistes pour se reconstruire, des pistes et beaucoup de pudeur. Le titre, c'est « Penser les plaies », P-E-N-S-E-R. Voilà, on réfléchit un peu maintenant. Voilà, on est sorti de quelque chose qui est du réactif, de l'angoisse, de beaucoup de médias, d'informations continues, le martelet jusqu'à plus soif. Nous, on a envie de réfléchir. Voilà. D'où « Penser les plaies et l'après », c'est dans cette optique-là. Quoi, voilà. Franck, on peut regarder peut-être les photos de l'interview d'hier, du Cheikh Bentounes. Bon, les mains, il faut la mettre. Il ne faut pas que ce soit la double peine, il faut que l'attentat nous apporte quelque chose. Parce qu'il a beaucoup pris à des gens, il a pris des êtres chers, il a pris des destins, il a pris l'avenir d'enfants, de parents. Il faut qu'il nous serve, il faut qu'il enfleurisse quelque chose de beau. S'il enfleurit que des distensions sociales, des haines, des problèmes communautaires, des replis, mais on aura perdu deux fois, quoi, peut-être même trois. Enfin, c'est... Donc on est obligé de le prendre comme un tremplin vers du meilleur. Sinon, il n'y a pas d'espoir, alors sinon on arrête de vivre. Ça ne peut pas être ça, il n'y a pas de vie sans espoir. Avance, à quelques kilomètres de la promenade des Anglais, en ce mois de septembre, un groupe de pompiers fait la promotion des gestes qui sauvent, en parlant du massage cardiaque, mais aussi, et c'est nouveau, du garrot. Et vous serrez très fort, très très fort. Là, vous serrez, et ça reste vraiment très très fort jusqu'à que tellement stop. Je m'allonge et vous appelez les secours. Toujours sur l'articulation. Le soir de l'attentat, tous ont été mobilisés. Et ce qu'ils ont vu a décuplé leur envie de faire passer le message. Les citoyens doivent apprendre les gestes qui sauvent. Il y a eu beaucoup de personnes amputées et on sait que ces personnes, la plupart, il y a eu un garrot qui a été posé. Sans ce garrot, elle serait sûrement morte. Voilà. Une personne amputée, c'est une personne qui avait des lésions très graves au niveau des membres. Donc si le garrot a été posé, c'est qu'on l'a sauvé. C'est qu'on a jugulé l'hémorragie. Il n'y a pas de chiffres, mais ça se compte en dizaines, je pense. J'ai eu, et j'en ai encore la chair de poule, au 14 juillet, j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues me voir. Alors ça va faire un petit peu, c'est un peu triste ce que je vais vous dire, mais beau à la fois, qui sont venues sur moi pleurer en me disant « Monsieur, j'ai mis un garrot, vous croyez que j'ai bien fait ?» Je ne savais pas du tout l'état de la victime. Je lui ai dit « Je pense que vous lui avez sauvé la vie, monsieur. » En tout cas, vous lui avez augmenté les chances de survie. Et c'est la réalité. C'est vraiment des gens qui ont fait ce geste, qui ont sauvé d'autres victimes. Blessé, outragé, mais pas à terre. Nice se relève. Ali continue son chemin avec sa tristesse. Doucement, on avance. Aussi parce que peut-être aussi parce que j'ai des enfants, j'ai 3 petits, qui ont assisté malheureusement cette nuit-là à toute cette horreur. Et moi, en tant que père de famille, je me dois de garder la tête haute et de rester digne face à cette épreuve. Greg est rentré à Los Angeles. L'hôpital et ses salariés ont repris le cours normal de leur travail. On a vu tellement de gens dans la détresse personnelle ou parce qu'ils ont perdu des proches. On a vu des choses horribles. Donc c'est vrai qu'on en sort peut-être encore plus fort parce qu'on se dit que finalement on a la chance d'avoir la vie qu'on a. Carolina, elle, a réussi à retourner sur les lieux du drame. J'ai retourné dimanche dernier et comme j'ai dit, elle est toujours très belle. Même si on essayait de l'attacher des sangs, des innocents, la promenade sera toujours belle. Nice, la ville meurtrie, se réveille doucement de son plus terrible cauchemar.